bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Pascal Finguesson favorable à une alliance FPI-PDCI en vue des prochaines élections en Côte d'Ivoire. Le leader de la branche modérée du Front populaire ivoirien y voit, au-delà des enjeux politiques, une opportunité pour la réconciliation nationale. Fin des spéculations au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a annoncé ce 9 avril sa candidature pour un second mandat à la tête du pays, une annonce qui ne fait pas l'unanimité. Et puis, inauguration en République du Congo de la Banque sino-africaine pour l'Afrique, l'institution qui a démarré ses activités en 2015 est le symbole des relations étroites entre l'Empire du Milieu et le Congo. Mais avant de développer ces titres, le drame s'est produit aux alentours de 10h, heure locale, ce mercredi. Un avion militaire algérien de transport s'est écrasé peu après son décollage près de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger. Le bilan est lourd, 257 morts et pour l'heure aucun survivant. Le vice-ministre algérien de la Défense, également chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est rendu sur les lieux et a ordonné la mise en place immédiate d'une commission d'enquête afin de déterminer les circonstances de l'accident. En Côte d'Ivoire, l'alliance FPI-PDCI semble de moins en moins hypothétique. Pascal Finguesson, le leader de la branche modérée du Front populaire ivoirien, se dit favorable à un rapprochement entre les deux partis pour les élections locales, puis pour la présidentielle de 2020. Une opportunité pour parvenir à une véritable réconciliation nationale, selon ce dernier. On fait le point avec Corinne Kamdem. En Côte d'Ivoire, les prochaines élections municipales et régionales sont prévues cette année. Une campagne intense des divers partis politiques que compte le pays a d'ores et déjà débuté, même si les Ivoiriens ne savent toujours pas à quelle date exacte ces élections couplées se tiendront. C'est le cas notamment pour la branche modérée du FPI, le Front populaire ivoirien mené par Pascal Finguesson, qui en ce moment fait des appels du pied au parti de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Compte tenu de la géopolitique en Côte d'Ivoire, aucun parti ne peut gagner seule une élection. La victoire s'inscrit toujours et jusqu'à preuve du contraire dans une stratégie d'alliance. Il faut que nous constituions cette alliance parce que c'est quand le PDCI et le RDS se sont mis ensemble qu'ils ont réussi à nous renverser. Mmh. Et donc demain, ceux qui vont gagner sont ceux qui auront pu se mettre ensemble. Le 24 janvier 2018, Pascal Finguesson a rencontré l'ancien président Henri Konan Bédié, alors que les deux partis sont historiquement connus pour être opposés. Cette démarche, le leader de la branche modérée du parti de l'ancien président Laurent Gbagbo l'a justifiée par la nécessité de créer un véritable dialogue pour amener un véritable équilibre en Côte d'Ivoire. La réalité politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui appelle à ce que nous nous rassemblions sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la réconciliation nationale, c'est la bonne gouvernance, c'est l'unité nationale, c'est la libération des prisonniers politiques, c'est l'assainissement de l'environnement politique national, la restauration des principes démocratiques. Sur toutes ces questions, nous avons besoin d'un rassemblement national, d'une grande ouverture. On ne peut pas faire la réconciliation en excluant une partie de la classe politique. Il va sans dire qu'une alliance entre le FPI et le PDCI de Pascal Finguesson serait préjudiciable au RDR, le Rassemblement des Républicains du président Alassane Ouattara. Une possibilité que le chef de l'État Alassane Ouattara prend au sérieux, car il a reçu le président du PDCI, Henri Konan Bédié, ce mardi 10 avril au palais présidentiel d'Abidjan. Une rencontre qui vise à apaiser les tensions entre les deux leaders et qui pourra aboutir à la création d'un parti unifié, dénommé le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Voilà qui met fin au suspense. Le président nigérien Muhammadu Buhari a annoncé lors d'une réunion de l'APC, le parti au pouvoir, sa candidature à la présidentielle de 2019. Entre célébration et désillusion, la nouvelle a été diversement accueillie. Tour d'horizon avec Maria Madramé. Le deuxième mandat n'est plus un sujet de spéculation au Nigeria. Malgré son état de santé fragile, le président Muhammadu Buhari a officiellement annoncé ce lundi 9 avril son intention de se représenter à la présidentielle de 2019. Une élection gagnée d'emblée selon le communiqué de la présidence. Le président Buhari vient d'annoncer son intention d'obtenir l'investiture du All Progressive Congress et de concourir pour un second mandat à l'élection de 2019.
La victoire est assurée par la grâce de Dieu et, ensemble, nous devons continuer à assainir l'environnement politique du Nigeria. Même s'il bénéficie de soutien de ses partisans, le chef de l'État ne fait toutefois pas l'unanimité. À 75 ans, l'ancien général est très souvent malade. Depuis son élection en mars 2015, il a passé 5 mois à Londres pour se faire soigner. L'opposition, quant à elle, l'accuse d'être inapte au travail. Il est le mieux placé pour apprécier les aptitudes et apprécier le travail du chef d'État. Même si, on le sait, il a passé une bonne partie de son mandat à l'extérieur du pays pour les soins. Aujourd'hui, c'est lui qui sait s'il est en mesure de le faire. Et comme c'est par les élections, je pense pas qu'il y ait matière à épiloguer sur le sujet. Les élections vont déterminer sa capacité à répondre encore aux attentes des Nigériens. Donc là-dessus, je pense pas que le débat dépasse le cadre politicien et même électoral. L'économie nigériane peine à émerger de la récession et les forces de sécurité n'arrivent pas à venir à bout de Boko Haram. Outre la secte terroriste et les groupes rebelles actifs dans la région pétrolière du delta du Niger, le futur président aura notamment comme défi le redressement de la première économie d'Afrique de l'Ouest liée à la chute des cours du baril. Un bâtiment R+15 bâti sur une superficie de 11 000 mètres carrés. Le siège social de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique a été inauguré par le président Denis Sassou Nguesso ce mardi 10 avril à Brazzaville. Elle est la 11e banque installée au Congo et envisage d'offrir de nouveaux produits et services à sa clientèle. Reportage de Deva Panzo, notre correspondant à Brazzaville. Le siège social de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique a été inauguré officiellement ce mardi 10 avril 2018. Les travaux ont été lancés le 20 août 2015 et achevés le 31 octobre 2017 pour un coût total de 35 milliards de francs CFA financés par les recettes du pétrole congolais. Construit sur un terrain d'une superficie de 11 000 m², cet immeuble de 72 mètres de hauteur comporte également une salle de conférence de 150 places, une salle informatique ultra-moderne et un parking souterrain. La construction de ce bâtiment est l'une des contributions décisives de la coopération entre la République du Congo et la République populaire de Chine. La création de cet établissement de crédit avait d'abord été évoquée par leurs excellences, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso et Xi Jinping. La BSCA est une banque commerciale à caractère universel composée de 90 agents dont 75% sont des Congolais. En 2017, les dépôts de la clientèle ont atteint 105 milliards de francs CFA contre 60 milliards en 2016. Pour l'année 2018, la banque envisage d'installer 50 distributeurs automatiques supplémentaires sur l'étendue du territoire national, ajoutés aux 30 déjà existants. La Banque sino-congolaise pour l'Afrique veut participer à la modernisation du système financier congolais. Nous entrons dans un environnement où il existe déjà 10 banques qui, pour la plupart, sont commerciales, pour ne pas dire toutes sont commerciales. Je pense qu'il y a toujours une place pour une 11e, pour apporter des nouveaux produits, pour apporter des nouvelles techniques et pour apporter des produits ou des financements adaptés. C'est une nouvelle banque qu'il faut accueillir dans le paysage bancaire du Congo et avec aussi cette perspective de développement sur les autres pays de la communauté. Nous saluons toujours la naissance, la création des entreprises et en particulier les banques qui vont accroître la mobilisation des ressources pour le financement des entreprises mais aussi bien des ménages dans notre zone. Notons que 50% du capital de cette banque est la contribution de la Banque agricole de Chine. Ce bâtiment correspond à la maquette choisie par le président congolais et représente l'avenir de la BSCA Bank, notamment dans son ambition de faire de Brazzaville son siège pour l'Afrique. La Banque sino-congolaise pour l'Afrique a été agréée par arrêté numéro 13785 du 28 mai 2015 après avis conforme de la Commission bancaire d'Afrique centrale. Le Burkina Faso fait le pari de la lutte contre la pauvreté, le chômage et le sous-emploi en s'appuyant sur son programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Un programme qui vise sur une durée totale de 3 ans la création de 100 000 emplois indirects, 90 000 emplois et 30 000 micro-projets. Reportage à Ouagadougou de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. En ayant recours au programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes, PAEJF, Souleymane Rabo envisageait de s'installer à son propre compte. Près d'un an après avoir bénéficié de l'aide du programme et constitué son capital, le résultat sur le terrain semble beaucoup plus réconfortant pour le jeune entrepreneur. Nous trouvons pas là qu'un moulin d'or à le dos,
Avant, je travaillais pour mon patron. J'ai pu disposer de ce moulin grâce au programme qui m'a permis d'acheter ces machines. J'ai également pu trouver un local et je suis très heureux de pouvoir bientôt me mettre au travail. Comme Souleymane, Djeneba Diallo fait dans la restauration. Elle a aussi bénéficié d'un financement plafonné à 1 million de francs CFA. Déterminée autant que d'autres noms du domaine, elle rêve désormais à l'agrandissement de son entreprise. Je vais employer au moins 3 personnes, plus moi 4 personnes. Voilà. Et il y aura plus de mains à offrir. Il y aura plus de mains à offrir. Et je profiterai aussi d'être compétitif sur le marché des services traiteurs. Lancé en juin 2017 par le gouvernement burkinabé, le programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes a pour sa première année suscité un engouement sans précédent. Plus de 100 000 dossiers ont été réceptionnés à travers le pays. À ce jour, 8 000 demandeurs sont entrés en possession de leur chèque, soit un taux de décaissement de 60%. Sur un financement global de 16,5 milliards de francs CFA attendus à terme, 5,4 milliards ont été débloqués. Pour le choix des bénéficiaires, nous avons organisé les promoteurs par fonds. Nous avons lié des partenariats, une convention qui nous lie avec les fonds partenaires. Alors, comment nous l'avons fait? Nous avons orienté des jeunes qui sont âgés de 18 à 35 ans vers le FECH, de 35 à 45 ans vers le FASI, et de 16 à 60 ans, uniquement des femmes, nous les avons orientés vers le FARF. Et enfin, vous avez les FAPE qui a reçu les dossiers des jeunes titulaires d'un diplôme post-baccalauréat. Au regard de sa pertinence, plusieurs innovations sont envisagées par les autorités, notamment pour les éditions 2018 et 2019 du programme. L'équipe de coordination, enrichie de l'expérience des 10 premiers mois de mise en œuvre, compte octroyer les prochains crédits en assouplissant davantage les conditions d'accès. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.